salam bitna al bit mit mit kolla al bit mit mit salam alaikum godverdomme allez godverdomme kanam khoyavan frankent yo kanam wie sin nam spekt vlaams misschien een dialect vlaams vlums Vlins, vlens, 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 vlammekes. Catalan. Soudanais. Spraken ze Deutsch? Französisch. Top, s'il vous plaît. Ja, allez, c'est bien. Bon, d'où vous venez? Là-bas. Ja, ja, mais allez, sérieux, hein? Là-bas, tu vois là-bas? Ah ben, c'est aussi là-bas, hein? Tu vois? Et là-bas, eh ben c'est là-bas. Et la porte, elle est là. Moi, je dois savoir par où je dois vous renvoyer. Hein? Allez, on recommence la procédure depuis le début. Nein, obstant, s'il vous plaît. Alors, vous êtes arrivé comment? Par la porte. Grand voyage dangereux, difficile. 1h30 route Beauchamp, cause 1 cm de neige, 1200 km trafic dense. C'est pas possible. Trafic invivable, payez-vous. Ya, c'est devenu invivable. Pauvre monsieur. Ouais, ouais. Dans Syrie, trafiquant beaucoup. Trafiquant dans un top prix. Top prix. Ah, yeah. Et vous avez vos papiers? Papiers! excusez. Avez-vous des papiers, s'il vous plaît? Papiers dans l'eau. Les papiers sont tombés dans l'eau. Allez, comme par hasard, hein? Si. Trafiquant, menez-nous bateau. Bateau coulé. Nous, papier dans l'eau, donc papier dans l'eau. Bien. Ben, on va noter dans le dossier, alors. Hein, sport pratiqué, natation. C'est pratique, hein. Vous savez, quand moi, je mets les gens en bateau, je suis beaucoup moins coulant. Hein. Ben, c'est de l'humour, hein. De l'humour noir, tu vois. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Sorry, j'ai dit noir. Yeah, ouais. C'est vrai, je me suis mal exprimé. Hein, c'est... Syrien. Mais vous avez eu de la chance, hein? Si, nous, beaucoup de chance. Ben oui, hein, vous êtes arrivé vivant, hein? Ah, ouais. Et on vous a. Non, obstant, s'il vous plaît. On vous a repêché? Oui. Voilà. Allez, moi, sérieux, je dis pas ça pour vous, hein, c'est pas pour vous, mais allez, quand il y a des gens dans la mer comme ça et qu'on va les repêcher, c'est un problème, hein. Ça fait un appel d'air, hein. Vos papiers, beaucoup. Ben oui, hein, il y a beaucoup de papiers, beaucoup trop, c'est l'appel d'air, hein, ça. Il y a trop de papiers, trop de réfugiés, moi, je suis complètement noyé, hein. Oh, pauvre monsieur. Oui, ouais, mais on va nettoyer tout ça, on va nettoyer. Hein. Nettoyer, oui. Nettoyer, non. Oui. Allez, n'est pas vous, hein, mais c'est vous. Monsieur mal parlé, toi fâché. Mirnak, mec, on ne peut pas dire ça, ça ne va pas de toi. Allez, moi j'ai encore mal parlé, moi. C'est toi qui as mal comprendre, hein. Allez, c'est vrai, parfois, je reconnais, hein, parfois c'est vrai, je viens un peu trop loin. Mais vous aussi, vous êtes allé trop loin, hein. Nous, trop loin. Ben oui, vous êtes arrivé jusqu'en Belgique, c'est beaucoup trop loin, hein, ça. Allez. Vous êtes passé par l'Allemagne. Oui. C'est beau, hein. Ah oui. Moi j'aime bien, moi. Ah oui, la grande Allemagne, ça j'aime bien, oui. Moi. Oui. Bon, il faut que je sache. Allez, vous êtes combien en tout, hein, parce que je sais que vous, c'est toujours groupir, hein. Six Syriens. Hein? Six Syriens. Le clan des six Syriens. Avec ma père, mon mère, mes frères et mes sœurs. Oh, ici, c'est le bonheur. Le bonheur. Non, allez, Zess, ça, tu veux, hein, ça c'est trop. Hein, moi, j'ai pas les places dans les camps. Hein. Les campements, hein, y a. Oui, il faut savoir, allez, à Bruxelles, on vous parque. Non, il y a un parc. Et dedans, il y a un camping. Un camping, voilà. Moi, je veux éviter la concentration. Il faut une concertation pour... Oh, je sais pas, je me m'en fais comprendre. Hein. Proverbe syrien dire ceci. Quand la gomme suce plus vite que le crayon, c'est que tu exagères. Là. Allez, ça vient chez toi tout mouillé, ça fait encore la morale. Hein. Nein, obstant... Non, allez, ça va, c'est bon. C'est cadeau à la maison. C'est quand même pas ma faute à moi, hein, si après autant d'années de laxisme socialiste, notre pays, près des réfugiés, il fait fureur. Hein. Il suscite la ferveur. Allez, on va reprendre.
La procédure. Bon, vous avez été reconnu? Vous avez des revenus? Non, pas revenus. Mais si, nous revenus. Mais pas revenus. Ah non, pas revenus, mais nous revenus, nous déjà venus, il y a 2 ans. 2 ans? 2 ans. 3 jaren. 2 ans. 3 jaren. Ah, c'est long, hein. c'est long, 2 ans. Nous venus et repartis un lundi. Ah oui, ça me dit aussi. Mais encore venu un jeudi pour expliquer à monsieur, mais autre monsieur que monsieur, autre monsieur pas là? Non, pas jeudi. C'était un mardi 14h. Nous partis, revenus mardi 14h, dites-vous nous reconnus, mais pas reconnus, parce que pas revenus. Non, pas comme ça, nous dira monsieur, vous nous reconnus, alors revenus. Mais pas revenus, parce que non, pas reconnus. Si. Sorry, mais de moi vous allez vous foutre. Pas de vous, vous, mais vous. Vous. Ah, allez. Bon, alors, vous devez me prouver avec un papier que vous êtes bien les sans-papiers, hein? Alors, ce papier, vous l'avez? Et l'inscription à la commune, vous l'avez? La demande d'asile, vous l'avez? Le logement, vous l'avez? Une occupation, allez, un travail, vous l'avez? Oh, vous l'avez? Vous l'avez? Vous lavez, vous nettoyez, vous lavez, vous nettoyez! Vous êtes monsieur propre? Bon, allez, pas de demande d'asile, ça c'est Beuton hors du territoire, hein. C'est la loi, hein. Beuton c'est comme ça. Hein. Et ici, t'es en démocratie, hein? Moi, je suis un grand théocrate. Hein. Et le droit, c'est le droit du sol. Hein. Le droit du sol, c'est quand tes pieds ils touchent mon terre. Hein. Ouais. La politique du gouvernement, c'est simple, hein. C'est pas compliqué. Hein. C'est ouvert et fermé. Humain et ferme. Allez, j'ai l'air ferme. Laissez entrer les sans-papiers, sans exception, papier chiffon, qu'ils puissent avoir papier buvard. Un peu d'espoir, laissez entrer les sans-papiers dans nos frontières, papier d'affaires, plus de réfugiés, papier glacé sur le pavé. Laissez entrer les sans-papiers avec amour, papier velours, gratuitement, papier d'argent. Un peu de cœur, papier à fleurs.